Parmi les rôles que les délégués peuvent jouer, comme représenter la classe, transmettre des informations, résoudre des conflits, etc., ils ont aussi la possibilité de proposer, d'impulser des projets. Et ça tombe bien parce que le lycée Mounier va souffler ses 50 bougies. Et pour célébrer cet événement, certains délégués ont proposé d'organiser une grande journée festive. C'est un super projet, je trouve, les 50 ans du lycée, qu'on a l'occasion de faire cette année. Il y aura plein d'activités. Je pense que si les élèves y mettent du leur aussi, ça marchera, parce que sinon, on ne peut rien faire sans la motivation des élèves. La demande de créer ces festivités pour les 50 ans a émané d'élèves délégués. Ça passe par les délégués avant tout l'organisation, parce que déjà, c'est les élèves qui sont acteurs de la journée, et sans information, ils ne peuvent pas savoir ce qui va se passer et quel rôle ils ont à jouer. Et c'est les délégués qui mettent en place, enfin, qui font le lien entre les CPE, le CVL et la classe. Moi, j'ai dit à mes jeunes, je vous donne les clés du lycée, je vous fais confiance, alors montrez-moi de quoi vous êtes capable. Le proviseur, il a beaucoup d'importance parce que, comme je peux le voir dans des réunions départementales entre les MDL et les CVL, bah finalement, c'est eux qui donnent le feu vert pour tous ces événements ou pour les créations d'associations dans le lycée. Et on se rend compte qu'ici, on a beaucoup de chance parce qu'il nous laisse beaucoup de responsabilités, mais il est assez ouvert. Et donc, on peut faire pas mal d'événements, etc. Et quand je vois dans certains lycées, ils ne peuvent même pas faire... ils peuvent pas ouvrir une cafette parce que si on vend du café, y a de la caféine dans le café, donc c'est pas bon pour la santé. Il y a de la théine dans le thé, donc c'est pas bon. Il y a du sucre dans les brioches. Donc il y a des proviseurs qui sont très fermés. Si je leur dis, voilà, je vous commets d'office sur telle et telle tâche, ils ne le feront pas parce que je leur impose. Si je leur dis, faites ce que vous voulez, je n'en ai rien à faire, il n'y aura pas de motivation. Mais si je leur dis, j'ai besoin de vous et je vous fais confiance, montrez-moi de quoi vous êtes capable, ils me doivent de réussir. Et quand je dis ils me doivent, chacun, au fond, dans l'établissement, et moi-même j'en fais partie, on se doit de réussir ces festivités-là parce qu'on a déclaré par ailleurs que c'était très important pour nous tous. Nous avons des élèves qui vont nous faire aussi un graphe en temps réel sur l'après-midi parce que c'est leur passion en dehors du lycée. Et voilà, ils avaient envie de mettre en lien à la fois les 50 ans et à la fois leur talent. Ça pourrait être intéressant de faire une fresque pendant la journée. En fait, ça ne met pas beaucoup de temps de faire une fresque. Et je ne sais pas, marquer Mounier 50 ans, et les gens peuvent regarder un peu comment ça se passe, tout ça, voire même interagir avec ça. Ça ne coûte pas très cher, des bombes. Si vous voulez réaliser une belle fresque, il y en a pour 50 euros. Et il y a des couleurs, et ça pète, et ça fait intervenir du monde, des petits-enfants, des vieillards, et voilà. Des vieilles. Il y a des vieillards un peu, des gens, ils étaient au Mounier en 1960. Eh bien écoute, c'est une très bonne idée. La limite qu'on peut donner dans ces projets-là, il faut que ce soit quand même des choses sécurisées. Il ne faut pas qu'ils se mettent en danger. Donc ça, c'est quand même la priorité. Après, ben, budgétairement aussi, est-ce que ça coûte cher? Est-ce qu'on a des financements? Comment on peut... financer le projet, est-ce que c'est viable ou pas? Toutes ces choses-là sont à prendre en compte. Mais après, si c'est des choses abordables, faisables, on y va. Aujourd'hui, c'est les 50 ans du lycée Mounier. On a organisé donc le CVL, les professeurs, les élèves, les délégués, le personnel de la cantine même ont organisé une grosse journée pour commémorer donc les 50 ans du lycée. J'espère que ça va bien se passer, qu'il y a pas mal d'anciens élèves qui vont venir. Les professeurs, il y a des anciens professeurs qui commencent à venir aussi. Je suis venue pour me retrouver dans ce lycée que j'ai adoré, où je suis restée 19 ans et où l'atmosphère a toujours été hyper sympathique. On a beaucoup travaillé ensemble. Pourquoi on est là toutes les deux aujourd'hui? Parce que ancienne élève de Mounier et élève actuelle de Mounier. Voilà. On a préparé une fresque aussi qui va être réalisée devant tout le monde, où on va marquer Mounier 50 ans. Il y a les élèves d'art visuel qui ont préparé un logo qui a été imprimé sur un t-shirt qu'un élève a fait. Donc c'est un lycée qui vit de par ses élèves quelque part, et on veut le montrer, on veut qu'il y ait du monde, et voilà, c'est ça qui va se passer aujourd'hui.